De séjour en Martinique, une visite à Fort-de-France s'impose. Vous y découvrirez le Grand Marché Couvert, la bibliothèque Scholder, les maisons coloniales ou encore le Fort Vauban. Depuis le secteur des Trois-Îlets où loge la majorité des touristes, le plus simple est de prendre une des navettes qui traverse l'immense baie des Flamands. Reconnue comme l'une des plus belles du monde, elle est comparable à celle de San Francisco ou de la baie d'Along au Vietnam. On débarque en plein centre-ville avec, à côté du fort, la plage et le parc de la savane où se baladent locaux et touristes. En face de cet écrin de verdure, on trouve la réputée bibliothèque Scholder. Signée Henri Pic, elle a été construite à Paris pour l'exposition universelle de 1889, puis transportée et remontée à Fort-de-France. Parmi les anciens livres figure un exemplaire dédicacé de Victor Hugo. À proximité de la bibliothèque, les administrations sont constituées d'un mélange de constructions historiques et de bâtiments plus récents. En marchant dans la ville, on apprécie les nombreuses maisons coloniales. En plein centre, un édifice sort du lot, la cathédrale Saint-Louis. Sa structure métallique et son style Art Nouveau sont caractéristiques des constructions d'Henri Pic. Un lieu de culte qui mérite une visite. Autre bâtiment de Fort-de-France du même architecte, le Grand Marché Couvert. C'est l'endroit parfait pour trouver épices et fruits frais ou encore goûter un rhum arrangé. Sur son promontoire rocheux, le Fort Saint-Louis, autrefois nommé Fort Royal, se visite en compagnie d'un guide. Il date du XVIIe siècle et abrite aujourd'hui le commandement de la Marine nationale aux Antilles. Durant une heure, vous pourrez déambuler au milieu des bastions et des chemins de ronde et profiter de la vue sur la ville et sa baie. À Fort-de-France, on a l'impression d'être un peu hors du temps. Les constructions rénovées aux inspirations variées côtoient des bâtiments dans leur jus qui ne laissent pas indifférents. À quelques minutes de Fort-de-France, sur la route de la Trace, faites une escale à la basilique du Sacré-Cœur qui s'inspire fortement de celle de Montmartre. Ensuite, découvrez le jardin Balata, un vrai paradis tropical. Organisé autour d'une maison créole, ce parc de plus de 3000 espèces de plantes est un incontournable de Martinique. Son parcours ludique n'a rien d'une jungle anarchique. Les arbres, les fleurs et les plantes sont artistiquement agencés de part et d'autre des sentiers. Allez, déborde. Les passerelles suspendues aux arbres, à 15 mètres du sol, donnent le frisson. Et vu d'en haut, le jardin prend une autre dimension. C'est pas le moment de se prendre les pieds. Pour finir, observez les colibris en train de butiner autour de la maison créole.